Salut à tous, c'est Alanish pour un tutoriel sur un système utile. Donc, dans la vraie vie, vous pouvez apercevoir qu'il y a deux interrupteurs qui contrôlent une seule lumière. C'est-à-dire, à chaque fois que vous changez la position d'un levier, la lumière change d'état. Sur ce, quel que soit. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. La base, ce sera ce mur, hein. Je vais mettre des leviers, je sais pas moi, ici et là. Voilà. Alors ensuite, derrière ces leviers, vous mettez des pistons collants de cette façon, comme ça. Comme ça, si vous actionnez le levier, le piston il change d'état. Et puis pareil sur l'autre levier. Face. Ensuite, vous mettez des cubes de n'importe quelle matière dessus. Alors ensuite, vous choisissez une des deux pistons et puis vous mettez une torche de redstone en dessous des deux positions du bloc de bois. Comme ça. Ensuite, vous reliez ces deux. Non. Je me suis trompé. Comme ça, voilà. Vous reliez ces deux blocs comme ça. Avec un redstone ici et un répéteur. Ensuite, pour vous aider, j'actionne les deux leviers pour. Et puis vous reliez les deux blocs de cette manière-là. Comme ça, ils sont tous les deux reliés. Et puis pour la fin, vous mettez de la redstone. À côté des deux positions du deuxième bloc de bois. Puis vous mettez une porte, ce que vous avez besoin, ou alors une lumière ici. Comme ça, à chaque fois que vous touchez un levier, il change d'état. Voilà. C'est de cette manière vous construisez les électriciens professionnels. Moi, je pensais à une porte ou exclusif, c'est-à-dire que la sortie est allumée uniquement si un des deux entrées est allumé. Voilà, c'est le même principe, mais c'est pas construit de la même manière. Voilà. Donc voilà, c'était tutoriel qui permet d'ouvrir une porte ou allumer une lumière en changeant deux leviers. J'ai oublié de dire, vous pouvez si vous voulez que la lumière est éteinte lorsque les deux leviers sont du même état, vous mettez un inverseur ici. Voilà. Ce que j'utilisais avec la porte de la mine dans mon parc d'activité. Voilà. Donc, alors, je vous dis au revoir et à la fois prochaine.